Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hello guys, I hope you are all doing well today. Donc, nous allons faire le mbongo aujourd'hui avec le makabo. So today we're gonna cook that dish which is called mbongo chobi. And we're gonna eat with malanga blanca. This is makabo called malanga blanca. Donc, on va préparer le mbongo. Pour préparer mon mbongo, j'ai ces condiments de mbongo, j'ai déjà acheté la poudre qui est presque prête. So I bought this powder which is special type of spices, many spices burned and blended. That's why I got the powder. Donc ça c'est la poudre de mbongo. Et pour faire ça, ils vont brûler et puis ils vont écraser. C'est beaucoup de condiments qu'on a mélangés ici. Et pour compléter mon assaisonnement, j'aurais besoin ici, ça c'est le njansa. This is njansa. This one is clou de girofle. So this is cloves, I think. This one is white pepper. Ça, c'est le poivre blanc ici. Ça, c'est anis vert. I forgot the type of seed. This is the type of seed that I forgot. If I remember the name, I will let you know. But anyway, you see what I'm talking about. Donc, ça, c'est de l'anis vert. This one is pepper. Donc, ça, c'est le pepper ici. And this one is country onion. Donc, ça, c'est les rondelles. Donc, j'ai déjà montré les photos des rondelles et puis des pépés dans certains de mes postes. Et j'aurais aussi besoin de ces green onions. J'aurais besoin de ces persils. Ça, c'est le poireau. This is leek. This one is celery. Donc, ça, c'est le céleri. Et ensuite, je vais ajouter. This is optional. De pépés. Ça, c'est le piment qui est optionnel. J'aurais besoin de cette pièce de ginger root. Et j'aurais besoin de cette taille. Et pour finir mon assaisonnement, ça c'est de l'oignon découpé. This is chopped onion. I'm going to blend everything right here. And I'm not blending the onion, but you can blend the onion. It's up to you. And as a protein, I'm going to use the fish. And I already cleaned my fish. My fish is already prepped. So, j'ai déjà nettoyé mon poisson. Je pense que dans beaucoup de vidéos, j'ai montré comment on peut bien nettoyer le poisson. Mais si vous voulez que je montre encore, je peux toujours montrer comment on nettoie le poisson. So let's heat up some oil to fry the onion and spices. And I also have to add some water in this dry bongo spices to mix well with water. Donc j'ajoute un peu d'eau dans ces condiments de bongo et puis je dois mélanger parfaitement. Ces condiments ici, si vous voulez, vous pouvez brûler un peu au feu. Mais bon, je ne vais pas brûler aujourd'hui. Souvent, je brûle. Souvent, je ne brûle pas. So, if you want to, you can fry these spices right here a little bit. Sometimes, I fry it. Today, I'm not frying. So, it's optional. Let's cook the onion for about 2 to 3 minutes. Donc, on va faire cuire l'oignon pendant 2 à 3 minutes. Et de temps en temps, vous savez, il faut remuer pour éviter que ça ne brûle. So, from time to time, give it a quick stir. To prevent it from burning. I forgot to show you the basil. Ça c'est la basilic. J'aime l'odeur de la basilic dans mon bongo. Très bon. J'aime trop ça dans mon bongo. So now we're gonna blend everything. Okay. Donc l'oignon est déjà cuit. On verse les condiments. Our onion is already cooked. That's why it's becoming golden brown. We put the spices. We're going to cook the spices for about 5 minutes. Donc, on va cuire ces condiments pendant environ 5 minutes. Et puis, on va ajouter les condiments du mbongo. So, I'm going to prep my fish. I like to put a little bit of salt in my fish before I stick it inside the sauce. Donc, j'aime assaisonner un peu mon poisson avec le sel avant de mettre dans la sauce pour me rassurer que le sel entre quand même suffisamment dedans. Donc, pendant que j'ai encore mon poisson ici, je vais l'assaisonner un peu avec le sel. Donc, vous voyez, mes condiments sont déjà cuits. Là, maintenant, je vais verser les condiments du mbongo. So, now my spices are ready. I'm going to pour this mixture of mbongo. This is a black sauce. This sauce is really black, but it's really good. I love it so much. Donc vous voyez, je mélange maintenant mes condiments du mbongo avec les condiments que j'ai apprêtés préalablement. Maintenant, quand j'ai bien mélangé,
Je dois ajouter un peu de sel. Et souvenez-vous que vous avez aussi mis un peu de sel dans le poisson. Donc ne mettez pas beaucoup maintenant. Puisque le poisson va venir avec du sel. Je mets le Maggi cube for the seasoning, which is optional. If you don't like Maggi, please don't try. So, je mets le Maggi cube. Et puis je remue bien. Ma sauce est déjà bien remuée. Là maintenant, je vais insérer le poisson et laisser cuire. So I stick my fish inside and I make sure I recover my fish with all the seasoning. You see, this black color is the beauty of this sauce. It's really black. And I'm going to go with the slow cook. So I'm going to cover the pot. In about 15 minutes, this sauce will be ready. Les amis, je n'ai pas pu avoir tous les condiments du Mbongo et donc je fais avec ce que j'ai trouvé. Donc je n'ai pas vu le macabo rouge, mais on va faire avec le blanc. Donc on regarde notre sauce qui est en train de mijoter bien. So let's check our sauce, which is doing well. It's not burning. So we need to stir from time to time. It's good when it's a slow cook. I like to cook it in a slow cook. So let's check. I'm going to add a little bit of salt. Donc je vais ajouter un peu de sauce, un peu de sel, pardon. Ça là, ça va suffire. Et on va retourner encore. Je bouge le poisson pour me rassurer que ce n'est pas en train de brûler. In 5 more minutes, this sauce will be ready. You see how this sauce sticks at the bottom of the pot? This means it is cooked. Donc quand ça commence à coller au fond de la marmite comme ça, ça veut dire que c'est déjà cuit. Donc on éteint le feu et puis on va attendre le macabo. Donc il est temps de servir mon bongo maintenant. C'est comme ça. So guys, it's time to help myself. Just like this. So guys, this is my mbongo chobi. Donc voici ma sauce de mbongo chobi qui est déjà prête avec le macabo. You are all invited. Donc vous êtes tous invités. Merci de regarder la vidéo. On se voit à la prochaine. Thank you guys for watching the video. See you in my next one. Bye.